remercie le pasteur Chris pour nous avoir donné cette opportunité pour l'évangélisation des proximités. Ça nous aide. Moi, j'ai les témoignages des rhapsodies. Ma grande sœur était malade. J'ai amené les rhapsodies à l'hôpital. Nous avons commencé, on a commencé à déclarer et à confesser. Et nous avons vu le résultat. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est l'occasion pour l'indépendance du Congo. Pour l'indépendance du Congo. Je veux remercier le pasteur Afan, celui qui a occasionné cette cérémonie pour l'évangélisation de tous les Congolais pour la parole de Dieu. Car la Bible nous dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Bampangi na munu ya ba Congo na ya bandu. Bete binga ben mel kusu wandinga ya Nzambi. Journée à vous les 30, je vais te faire libérer voilà la bête. Namaka moi nyonso yambi ke na kusalama na kati ya voilà. Beta botu la voilà elle qui modèle na ku wandinga ya Nzambi. Kana bete wandinga ya Nzambi. Bena mona makambu ya voilà eta changama. Yoka fanga vena mindu. Bete sambila Nzambi. Nzambi ke inki bete sajila ndem munoko na bête na kati ya Rhapsodie. Quand on met quelqu'un à Rhapsodie, mais ta mona makamwe pele ya voilà est à changer. Mais quand on met tout le monde bac à Mindouki, qui m'a moche ta salama fait. Laissez les Nzambi pouvoir Nzambi député Saka, yoka bigana na Nzambi, yoka fana na bana ya Nzambi. Yo ina bubu ya le 30 juin, mais tout bana Christ ambassi, bana ya pasteur et Chris. Na papa a fait mettre mes basiques sangu na kukwenda kunata sangu ya Nzambi na bisika nyoso la kata Kinshasa na voilà mon vimba met katambula monde entier RDC nyoso met akwenda na kunata ndinga ya Nzambi yori na kati ya RDC nyoso benu landa bet benu kuisa mingi na kulanda ndinga ya Nzambi. But we are so excited to be part of this wonderful, wonderful world. We are bringing the world to this nation. We are bringing a change. And with this rhapsody, we know that this nation, we know that we are serving the real God. Je m'appelle Philippe Chiteta. Je suis médecin de formation. Et je suis l'assistant du pasteur de Christ Embassy au Congo, le pasteur Afam. Christ Embassy, c'est une église dont le pasteur senior, c'est le pasteur Chris Oyakhilome, qui est basé au Nigeria, à Lagos et au Congo pour le moment. Nous sommes à Kinshasa, ici, à Maïcha Park, en face du bâtiment royal. Nous sommes à Mongafula, à Galema, Kitambo et à Massina. Ça c'est pour Kinshasa, dans le pays. Nous sommes à Goma, commençons à Matadi bientôt. Nous sommes à Boma dans l'Est. Et nous sommes à Lubumbashi, Likasi, Kolwezi et Kipushi. Nous sommes dans le monde entier, le ministère se trouve dans le monde entier. Et chaque à la date anniversaire de l'indépendance de chaque pays dans lequel nous sommes, nous organisons une distribution gratuite de notre dévotionnel, donc notre livre que nous utilisons pour la lecture journalière de la parole de Dieu. Il est écrit par le pasteur senior, pasteur Chris, et nous le faisons imprimer et nous le distribuons donc gratuitement dans le pays dans lequel nous sommes à la date anniversaire de l'indépendance de ce pays. Aujourd'hui, le 30 juin, c'était la date anniversaire de l'indépendance de la RDC, notre pays. Et c'est ce que nous avons fait à Kinshasa. Nous avons commencé avec 10 000 copies aujourd'hui. Bon, nous sommes conscients que 10 000 copies, ce n'est pas assez pour une population de plus de 12 millions à Kinshasa. Mais c'est un exercice qui va continuer sur plusieurs semaines et qui va aussi inclure la version Lingala de l'émotion. Là, donc, le nom tout s'appelle la Rhapsodie, mais en réalité. Mm-hmm. Donc chaque jour, il y a un ou deux versets qui sont sélectionnés par le pasteur et qui l'expliquent. Alors ça permet à chaque chrétien, chaque jour, de lire la parole, chaque jour de connaître plus de ce qui est dans la parole, et chaque jour de s'édifier plus, de devenir un chrétien plus mûr dans la parole de Dieu. Et d'avoir la parole en lui et de vous en elle et d'être en mesure d'utiliser cette parole pour sa propre vie, pour comment régler les problèmes dans sa vie, comment se comporter avec les gens,
comment utiliser cette parole que Dieu a mise à notre disposition, en l'ayant bien comprise clairement et en l'appliquant de manière judicieuse dans sa vie. Comme je l'ai signalé tout à l'heure, que nous allons continuer cette distribution et nous allons donc continuer avec la version en lingala et plus tard avec des versions dans les autres langues, le cas du Chinoa et du Congo, pour être sûr d'atteindre la majorité de la population de notre pays. La distribution que nous avons faite aujourd'hui, tout ce que nous attendons de ça, c'est que ceux qui ont reçu cette rhapsodie acceptent le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie et deviennent donc des enfants de Dieu. Et qu'à partir de là, ils commencent à grandir dans la parole de Dieu. Et qu'ils choisissent une église qui enseigne la véritable parole de Dieu, ici à Kinshasa, où ils vont aller pour grandir. Nous souhaitons bien sûr qu'ils viennent chez nous, nous savons que chez nous, la parole de Dieu. La parole vraie, la parole révélée de Dieu. Il a remercié d'abord le pasteur Chris, un visionnaire Nabisso, un papa Nabisso, à remercier. Et puis, tout ça, là, où ils ont Richard Nabisso, avec l'évangélisation des proximités. On a cadeau et indépendance, il y a un beau cannabis, il y a un autre PSI, tu distribues la rhapsodie des réalités pour eux. Ils ont dévotionnel. Chaque jour, ils ont PSA la rhapsodie pendant 3 mois. Ils ont demandé juillet, août, septembre. Pour distribuer en gratuitement. Tu as espéré que bah un million soit gagné pendant Richard Oyo évangélisation Oyo Bakoya Bakorejean Rebisso à Katakras Ambassade. Merci pasteur. Là je remercie notre homme de Dieu pasteur Chris Yakilome. Merci pour la idée y a côté la biso rhapsodie. Ayez la rhapsodie. Rhapsodie et salut message Nabisso, Oyo, pasteur Nabisso, à Tchelabisso chaque mois. Alors, dans ton komaka, na indépendance, il y a chaque pays, Bisso membre, y a ambassade de Christ à travers le monde, to profitaka, to pesaka cadeau, na chaque pays. Yango to pesi cadeau, Oyo, na la nation congolaise. To pesi cadeau to distribuango à travers la ville de Kinshasa to ko salango pendant 3 mois. Merci homme de Nabisso, pasteur Nabisso, papa Nabisso, auto salé na carte na Congo na ndenge até ya Kabisso. Merci beaucoup. Merci pasteur Chris Richard Congo 2015.